Ariel Henry, c'est un monde qui est intelligent, doué. Il est capable d'utiliser momentum, ça. Il est capable d'utiliser conjoncture, ça, qui gagne actuellement dans le dossier Canal Rivière Massacre, pour lui faire un capital politique qui est capable même de mettre lui dans la tête pays d'Haïti pendant plusieurs années en plus. Nous connaissons que le peuple haïtien, leur déterminé, pas gagne rien qui n'est pas capable de faire. Et le peuple haïtien, leur campé avec un leader, leur campé derrière un leader, c'est pour tout bon. Ariel Henry, c'est vrai que l'essayon premier ministre intérimaire, l'essayon premier ministre de facto, c'est vrai que Ariel Henry décrié, lui-même gagne gros accusations qui pesaient sous dol, par exemple, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. C'est vrai que pendant deux dernières années, ça, Ariel Henry, dans tête pays d'Haïti, dans tête un gouvernement de facto, pas arrivé délivré en rien. C'est vrai que sous direction Ariel Henry, pays a allé dans un abîme. Situation pays a est considérablement aggravée. C'est vrai que, mesdames et messieurs, peuple haïtien, il est vraiment bien pile contentieux sous gouvernance Ariel Henry. Mais je dis, il y a un momentum que n'importe politicien qui est en tête d'un pays, s'il n'a pas profité de lui, c'est parce qu'ils sont imbéciles. Si Ariel Henry n'a pas profité du canal Rivière Massacre pour les jeunes pardon peuple haïtien, parce que moi, je suis certain que si Ariel Henry pas continuer dans bien cacher l'ombrit dans dossier Rivière Massacre là, peuple haïtien même prêt pour le pardonner. Oui, il est très fort ça me dit là. Il est très fort, c'est peut-être une position de moi-même, une position personnelle que un pile monde capable partager. Mais si je dis ou bien demain, Ariel Henry voyait toutes ressources, mobiliser toutes ressources économiques, toutes ressources matérielles, toutes ressources politiques, toutes ressources diplomatiques et permettre canal la fin construit dans une ou deux semaines, eh bien nous prêts pour nous oublier tout ça nous reprocher Ariel Henry. Ça encore moi dit c'est en position personnelle, c'est pas position peuple haïtien et ne saurait être la position du peuple haïtien. Mais nous estimons que journée aujourd'hui hein, si tout ça il gagne conseiller, si tout ça compte faire politique, eh bien il doit ouais dossier ça comme une opportunité. Et non seulement ça, mesdames et messieurs, c'est tout une opportunité pour pays d'Haïti tout entier, pour nous faire des clics là, pour nous aller vers le développement. Même si révolution agricole là, elle fait déjà à travers le monde depuis déjà plusieurs années, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons jamais entrer dans la logique ça. Eh bien, journée aujourd'hui, si nous réussissons à faire cette révolution ça, pour nous retirer 20 nous, dans mais l'autre pays, c'est pour aller un point de départ pour une nouvelle Haïti. Et ça, s'il reste en route, s'il pas continuer, c'est pour aller une énième occasion en or que le pays d'Haïti perdu pour lui entrer sur le rail développement, mesdames et messieurs. Même j'en ai perdu en pile l'autre occasion comme ça déjà. Je dis à moi, c'est ouais qui j'en que des centaines de monde accueillis pour le ministre de facto Ariel Henry. N'aéroport international tout c'est l'ouverture. C'était avec un pile bouquet fleur, un pile slogan favorable. Mesdames et messieurs, pas de gain rien dans ça qui est les violences là. Même V premier lettre dans violence pas là. Toute bagaille était paisible. Image ça yo qui témoignait de ça, c'est une autre fierté qui montrait que peuple haïtien li connaît qui ça veut dire honorer moun qui dans intérêt yo. Est-ce que message ça li pral jwenn Ariel Henry, Jean que le droit arrivé joindre ou bien est-ce que monsieur a juste fait le passer comme une lettre à la poste puisque ça passé jodi a accueil ça que premier ministre de facto Ariel Henry recevoir pour la première fois depuis le premier ministre li vle di en pile bagay. Discours tout ça a été prononcé sous tribune Nations Unies côté que gon ti parti dans discours seulement qui te supporté travail qu'a fait sous canal Rivière Massacre qui te revendiqué droit pays d'Haïti pour lui utiliser de l'eau dans Rivière Massacre, même Jean République Dominicaine fait, c'est seul petit parti ça, mesdames et messieurs, qui déclenchait tout élan ça de solidarité avec Ariel Henry. Ou capable de dire, c'est un groupe de sympathisants, c'est un groupe de partis politiques qui sont même proches du gouvernement. Ou capable de dire, n'importe bagaille. Mais je dis, hein, mesdames et messieurs, c'est la première fois ça fait depuis Ariel Henry, premier ministre. Pas oublier, année ça même, Ariel Henry était manqué quitter Paul dans l'aéroport international de Toussaint Louverture, lorsqu'il t'a entré dans le pays après un voyage international. Ariel Henry, c'était toujours protestation qui était toujours gagné. C'est pour la première fois que nous avons appris vive Ariel Henry dans Port-au-Prince. Encore une fois, je dis ça, livre dit beaucoup.
et Ariel Henry doit exploiter momentum ça. S'il pas fait li, eh bien n'a juste interprété li que li c'est un politicien amateur, que li manqué conseiller qui compétent, ou bien n'a juste tirer conclusion que image qui t'a circulé sur tout réseau yo, que Ariel t'a dormi dans Nations Unies, livre dit ça le dire. Bonjour, bonsoir amis founis, nous pas parler plus, pas oublier quitter like là, pas oublier commenter, pas oublier partager et si pourquoi abonner, pas oublier abonner. Merci d'avance. On a regardé considération ça yo sous gros combi national ça qui gagne sur rivière massacre. Nous pral commenter actualité avec invité nous matin et entre autres dossier massacre, insécurité, comportement et l'état par rapport à ensemble de problèmes jodi a la qui d'intérêt général dans le pays. Nous allons voir tout ça avec invité nous qui c'est Peggy Jean qui son nom qui son effort dans paysage médiatique là, d'autant que me considère comme mon aîné et depuis dit Peggy Jean puis le monde qui porte presse longtemps après c'est ancien journaliste Caraïbe, ancien présentateur vedette ramassé tout et très récemment là qui t'a animé moment vérité sous signal Peggy Jean qui c'est avocat tout, donc c'est pas n'importe qui est. Et c'est avec lui nous allons commenter actualité matin. Bonjour Monsieur Jean. Bon, nous saluons Johnny, nous saluons Guerrier. Permettez-moi de saluer DG Monsignac que j'ai quelque temps que bah ouais. Nous saluons toute équipe là. Et avant mon petit contentieux avec Johnny, bah bon si vous permettez-moi de vider là. On a fait 32 ans, m'entendez. 32 ans. C'est 32 ans, rien. Parce que ce qu'on fait là, son travail 40-50 ans. On va être d'expérience dans des 32 ans. Bon, 32 ans, c'est bon, c'est ça. Alors, ça dépend de qui l'heure que l'acte de naissance est fait. Non, attends, rien. Parce qu'on n'a pas fait dans la ville Gonaïve. Et quand même, c'est qu'après. C'est pas même Jean Aguerrier qui fait dans la ville Jacmel. Non, il fait la montagne. Oui, je fais la montagne, mais on peut pas fait dans la ville Gonaïve. Ça. Monsieur, me salue nous. Alors, me salue gros travail que nous avons fait dans la société. Hein. Je pense que le 4 heures, tout le monde a battu pour faire un dernier petit dormi. Nous-mêmes, nous pas qu'à dormir. Nous sommes obligés à préparer nous pour nous servir la communauté. Je félicite nous. Et Johnny, je t'ai exprimé déjà. Je suis fier de toi. Moi-même, je pense que relève là a pas assuré. Naturellement, Guerrier est de ma génération. Okay. Donc, je ne vais pas parler de relève pour Guerrier, car c'est Guerrier dans la même génération avec moi. Okay. Dans la profession. Oui. Dans la profession. Oui. Ouais. Pas de précision. Non, peut-être pas. Mais c'est possible. Au cap là. Maxima. Maxima, oui. Je l'aime des correspondants Maxima tout Jacques Mer. Absolument. 2003-2004. Oui. Et moi, quitté Maxima, je me sortis sciences humaines en 99, moi, débuté dans Maxima en 2000. Ok. J'ai laissé en 2003 pour me venir dans Caraïbes, dans Ramassé, dans salle nouvelle là. Effectivement, me songer. Oui, me dégoûte. L'homme était dans salle nouvelle Maxima au Cap. Et bien, il a commencé à gagner de l'âge là. Donc, tu as plus de 20 ans dans la profession. Oui, oui, oui. C'est ça. À 50 ans, il y a 50 ans. Non, mais. Donc, il a mouru là, tout. Oui, c'est ça. Monsieur, je suis content avec nous, je dis. Oui, ça, médecin, oui, médecin, il y a mouru, journaliste, même. Oui, absolument. Alors, permettez-moi de saluer tout avocat dans le Port-au-Prince. Naturellement, on a préparé nous pour nous élire un nouveau bâtonnier qui doit prendre Rennes Baroa dans les prochains jours. Nous gagnons 4 candidats en lice. Gagnons Maître Patrick Pierre-Louis, gagnons Maître Patrick Laurent, gagnons Maître Onandieu Geste et gagnons Maître Jacques Neoxilus. Naturellement, oui, c'est 4 candidats déclarés. Okay. Naturellement, au tout dernier moment, pendant vendredi, l'élection a fait, donc n'importe avocat qui remplit les conditions, moi, je vais décider le jour. Me lever même comme candidat. Naturellement, ce ne sera pas le cas. En tout cas, et avocat qui pourra mettre un nouveau leadership dans la tête de Barouan, saluer. Moi, j'ai permis de saluer tout le monde Wanamet. Johnny, je suis content que tu aies Wanamet. C'est la caille, moi. Les Johnny fait commencer à parler de dossier. Johnny était qu'on dit plein de Maribou. Là, ça m'a attendu, m'a fait tirer parce que c'est mon Wanamet. Et c'est Marie Barou, mais après, Johnny vient. Absolument. Tout à fait. Je suis content, moi, tout accueil au jeune Wanamet. C'est bien. Alors, bon, son dossier d'intérêt général, et c'est pas sans raison valable. Donc, monsieur, je nous dis que le dossier a quimbé nous. Parce que son dossier fondamental, qui t'est qu'à servir comme un déclic pour nous relancer le pays, pour nous faire sanerer les autodétermination, pour nous faire prise en charge du pays par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, je salue tout le monde qui est branché.
Je salue Frem qui est dans le barreau Fort Liberté, Maître Abela Cholchele Agent. Je salue Maître Marie Fleurin qui est cousin de tout, qui me détendait là. Naturellement, grand pile personnalité qui est intervenue sur le dossier ça. Gagné des anciens sénateurs, me tendait des hommes politiques, des anciens ministres, tout ça. Des acteurs sociaux. Tu comprends, Maître Marie Fleurin, ce n'est pas un acteur politique. Mais c'est quelqu'un qui est très impliqué au niveau de la société civile à Wanamet. Moi, j'entendais toute intervention. Donc, nous pas pas le dire ça que tu dis déjà. Mais fondamentalement, je pensais que, un, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, deux, en tant que mon Wanamet, et en tant qu'avocat, je suis un spécialiste en droit international, même mon idée de droit international, je connais ça, ça veut dire une source commune à deux États. Donc, support inébranlable à poursuite construction. Et l'État, il est vrai qu'il y a des déclarations qui fait qui en faveur de ça qu'a fait là, mais citoyens n'ont pas trop senti l'État. N'a parlé de BESAP, BESAP sont institutions publiques liées. Je considère que l'État, entre guillemets, est là à travers le BESAP, mais absolument ça ne suffit pas. Et ou pas qu'à travailler là, pas qu'à faire son ministère de l'Agriculture, son ministère de l'Environnement, son ministère de Travaux publics, la police pas qu'à pas présent. Donc, il est fondamental que l'État accompagne Mounio. Et nous tendez discours Premier ministre là, à la tribune officielle des Nations Unies, c'est bien, mais comme tu l'avais dit il y a 24 heures, il faut passer de la parole aux actes, il faut un encadrement technique, parce que nous totalement pour que le travail a continué, mais nous totalement pour tout que, pour ne pas gagner que nous faire, puis 6 mois après, 2 ans après, nous obligés à caser, etc. D'où nécessité que nous accompagnement technique, mais son support inébranlable, sans faille, 100%, KPK, Canal, là, pas de camp. C'est position comme citoyen et comme mon Wanamet. Alors, Peggy, j'aime bien qu'on ou fait tirer les salles d'entrée de Dieu sous question construction Canal, là, et sous rivière Massacre, dans la partie haïtienne, là. Mais bon, je me pose une question, ça, sous BESAP, fondamentalement. Nous avons parlé tout à l'heure de Jean, monsieur Damien, au niveau du gouvernement, tu as dû adresser le problème, là, parce que BESAP, là, en quelque sorte, l'assemblée le rend. Gouvernement inconfortable par rapport avec Jean-Monsieur eux-mêmes ont décidé présent sous frontière là. Si bien que Monsieur Chantal Joseph, directeur général à Naplaguerre du Sol, te dit carrément que le recevoir l'ordre dans le ministre tutelle, qui est ministre de l'Environnement, pour faire Monsieur sortir sous site là. Ça qui devine créer un malaise soulevé entre Monsieur Chantal Joseph avec autorité au niveau du ministère de l'Environnement, qui eux-mêmes, ils n'ont pas de bon oeil, présence M. Bissapio, sous espace-là ou bien sous site-là. Donc, tu as alors dit, l'État, lui-même, il est présent à travers BESAP, il y a un capitaine d'eau là au niveau de Wanamet, qui n'a pas quoi, c'est le cas, parce que BESAP presque l'a gagné pour quoi. Oui, absolument. Non, c'est M. Bissapio, entre eux, comme c'est Kembe, a bien entendu, avec support population. Oui, tout à fait. Pas vraiment un mécanisme. Tout à fait. Naturellement, BESAP sont institutions publiques. C'est important de préciser ça. Mais, faut que l'État présent à travers la police. Au soulier, tout le monde qui est sur place soulier, la police n'est pas présente. Est-ce que le ministère de l'Agriculture est présent? Est-ce que le ministère de l'Environnement est présent? Non. Est présent? La réponse est non. Est-ce que le ministère Travaux publics présent? Donc, au cas d'y avoir une certaine présence quand même à travers BESAP, quelles que soient ses consensus, mais fondamentalement, l'État n'a pas montré que il a pas appuyé Canal. Là. Il est vrai qu'il y a des déclarations qui faites, qui allaient dans le sens appuyant. Jean-Premier ministre en fait à la tribune officielle des Nations Unies. Mais fondamentalement, il faut que l'État présent à travers la police, ce n'est pas encore le cas, à travers les différents ministère concerné dans le cadre du dossier. Parce que ça qu'a fait, ce n'est pas pour Wanamet seulement lié, l'a fait pour tout Haïti. Si on parle de nécessité qu'on aboutit à autosuffisance alimentaire, ça passe par le renforcement de la production locale. OK? Donc, ça qu'a fait Wanamet là, valable à vrai pour à utile toute société. Donc, il est fondamental que, donc, on sentit que gouvernement, ou politique, ou l'embébord, que ce soit document pas officiel, officieux, qui ont été relaté il y a quelques jours, même s'ils n'ont pas endossé officiellement, mais le matin des DG Jean-Tel Joseph, ont senti que go malaise. Ça veut dire que le BESAP est là contre la volonté de l'État, apparemment. Tout simplement.
Alors, moi, je garde le discours docteur Ariel Henry fait et sous tribune des Nations Unies dans la 78e Assemblée Générale et l'ONU, moi, on va parler de l'IAMPIL. Et le fait que l'État, ni après notre là, ni après discours ça, l'État a dépou passé de la parole aux actes, il y a des gens qui estiment, c'est un entente tacite, souvelé, pour gagner un comportement à travers les prises de parole en public, et puis, de manière concrète, pour ne pas gagner qui fait. Est-ce que vous même si avec lunettes ça, ou avez des positions au gouvernement haïtien? Moi, je crois que si le gouvernement, effectivement, voulait être conforme à ce que dit dans le tribunal officiel des Nations Unies, moi-même, en septembre 2005, j'étais reporter Caraïbe, j'étais dans la masse et tout, j'étais eu une chance d'aller dans les Nations Unies avec une délégation, j'étais eu Gérald Latortu dans la tête. Je suis plus ou moins ouais mécanisme, comment l'intervention est faite, etc. Je me suis en 2005. Comment République dominicaine, Leonel Fernandez était président, et comment délégation dominicaine est solidement représentée par rapport à nous-mêmes. Dans tout couloir Nations Unies, où il a fait lobby pour République dominicaine, il a même parlé de un ensemble de sites qui pas existé République dominicaine, mais qui existait en Haïti. Donc, il y a juste dit qu'il a fort visité, c'est l'île là où il a visité. Donc, il a traversé ça, donc pour montrer comment Haïti était très mal représenté. Bon, il faut l'admettre. Maintenant, oui, si le gouvernement pas assuré que la police est déjà là, on nous prend tout matériel, travaux publics, qui est dans la direction départementale nord-est, qui est dans la direction départementale nord, mais on est de rivière, on a même déjà. Ça veut dire si le gouvernement pas assuré que à travers institutions concernées, ministère sectoriel concernées, et à travers la police, que vous avez un accompagnement, donc, là, il y a un doute que le gouvernement voulait que le travail a continué. Mais détermination population, on croit son détermination sans faille, que personne ne peut camper en face. Donc, Péguija a supporté à deux pieds la deux belles Capica. Cela ne saurait être autrement, quand même, comme Mounouanamène, comme citoyen. Parce que moi-même, tout le besoin de manger produit local. Parce que je dis à monsieur, je ne vais pas faire comme ça. Le Walno Market, ou bien le marché public, marché commun, là où on belle carotte, on belle citron, c'est République dominicaine qui sortit. Oui. C'est République dominicaine qui sortit. Hein? N'avait pas tes carottes citron de la République dominicaine. Mm-hmm. Donc ça veut dire si pas gon si pas gon prise en charge de la question agricole, naturellement faut regarder qui ça l'état mettait comme budget pour ministère agriculture et c'est ça qui va permettre de déterminer les priorités de l'état. Donc fondamentalement canal là doit continuer. Fondamentalement, l'État doit assumer responsabilité. Pour passer de la parole aux actes, si vous voulez être conforme à discours fait il y a 72 heures à la tribune officielle des Nations Unies, faut encadrement à partir de jeudi à là, mon Walmendou, main direction départementale nord-nord-est débarqué à gros camion, on etc. Remblai et puis expertise technique tout. Qui pour faire que pas rien que fait, et puis nous obligé de dire, ah, bon, il y a eu fait là, ou bien après 5 ans, nous rendons compte que le travail n'est pas viable. Parce que le canal là, technique là, je ne suis pas technicien en la matière, mais le canal là, pour le durer en pile temps. C'est ça. Donc, le canal là, doit absolument continuer. En guise de protestation, Louis Abinadel a annoncé que le fermait et toute frontière liée avec Haïti, sinon, il dit qu'il n'y a pas de problème pour dialoguer avec les autorités dans le pays d'Haïti pour garder si vous avez ouvert les frontières. Moi, il y a que vous campez sur ce canal-là. Même avant de poser une question, et Peggy, je vais signaler ça. Moi, je vais vous mettre comme commune frontalière, côté activité commerciale, vous dépendez de frontières. Je me sens que vous n'êtes pas trop inquiété. Vous comprenez? Vous sentez comme si vous avez une activité comme si de rien n'était. Donc, c'est parce que, quand même, c'est pour de bonnes causes que vous avez fait. Mais alors, ça m'a regardé avant la Peggy. Il y a des nouvelles qui ont sorti dans la presse dominicaine pour faire état de plusieurs millions de dollars américains ou bien par contre, pesos, ou pas millions de dollars américains, plusieurs millions de pesos, comme ça, que vous avez perdu pendant fermeture et frontière là. Okay. C'est-à-dire des entrepreneurs dominicains, des grands commerçants dominicains qui habitués à faire transactions sur Haïti qui ont des difficultés. Donc nous autres et au niveau de la partie haïtienne, comment Peggy Jean Wen est capable d'exploiter décision ça que Abinadel prend, elle ferme frontière avec nous hein, qui empêcher que on paquet de transactions qui fait qui pas fait encore. Absolument. Moi-même, je suis un des économistes Isaïe Emile, qui sont jeunes garçons, je pense qu'ils ont pris l'idée. Et je suis même fait un tweet, je conseille mon à l'étendre Isaïe Emile. Nous avons reçu le même jour, il y a un petit problème avec Internet, nous avons diffusé le lendemain, je conseille mon à l'étendre. Je pense que M. dit des bagages fondamentales.
c'est meilleure opportunité pour Haïti tourner vers d'autres marchés. Parce que acheter pas difficile, c'est vendre plus difficile que acheter. Parce que depuis c'est acheter, on pas acheter, facile qu'on joigne. Mais si on peut le vendre, il y a pas, il y a pas regarder critères qualité, etc. Donc Haïti, c'est opportunité pour s'affrêter orgueil nous, pour nous faire une relance véritable du secteur agricole, de la production locale. Ah oui, c'est une grande opportunité et à moyen et à long terme, mais à court terme, Haïti capable de tourner vers d'autres marchés régionaux. Parce que nous là, nous plein pays Amérique centrale qui est là, nous avons des pays, d'autres pays de la Caraïbe, Haïti capable de garder comment capable justement tourner vers ces pays et pour les capables alimenter en produits. Mais fondamentalement, ça qui est important, c'est ça doit servir nous comme un déclic pour nous relancer production. Parce que n'est pas possible, monsieur. Il n'est pas possible de pour un bel citron, c'est Saint-Domingue sorti. De pour un bel carotte, c'est Saint-Domingue sorti. Donc, je pense que nous devons, c'est l'opportunité qui nous est présentée pour nous prendre en charge. Moi-même, je positionne ça comme haïtien. Haïti est capable de tourner vers d'autres marchés de la région. J'aime donner économiste Exéa Emile Ponel. Avant de nous faire mes fenêtres, ça, il y a un auditeur avisé pendant que tu as parlé de ministère concerné qui fait état de ministère des Affaires étrangères, ministère de Défense. Tout, il expliquait que son problème frontalier et les frontières relèvent de la sécurité nationale. Donc, il pensait que la question militarisation de la frontière est incontournable. Est-ce que c'est point de vue partout? Bon, je ne suis pas spécialiste en droit international. Naturellement, Gomba est au tab du matin, ou après Agent Bessab, Capsal, lui, Guad Dominicain de l'autre côté, parce que là, je pense qu'on peut dans ce qui doit répondre, parce que n'importe quel dérapage qui gagne en frontière, il a débouché sous sa nouillon, pas de souhaiter. Ok? Militarisation de la frontière, est-ce que Haïti a les moyens de sa politique? Je pense que non. Je pense que non. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Je pense, naturellement, nous avons plus le problème. C'est pratiquement à tous les niveaux que nous avons problème. M'pas quoi la nécessité de militarisation de la frontière. Parce que quand vous voulez le Haïti et la République dominicaine, c'est deux peuples frères qui partagent yon même l'île, en partie qui gagnent même écosystème. Et n'ont yon sens qui condamné pour avancer ensemble, même si niveau de développement République dominicaine largement supérieur à niveau de développement nous en Haïti. Donc yon devancé nous net. Mais il y a 50 ans, c'est pas ça le tailler comme réalité. Donc, je pense fondamentalement, le pays a dû prendre en charge, mais il faut que le pays a tout gagné d'hôtel de dirigeants, de véritables visionnaires. OK? Parce que les visionnaires et les hommes d'État pensent aux générations futures. OK? Pendant que l'homme politique, là, lui-même, l'a regardé aujourd'hui, à demain, combien de temps m'a fait, etc. etc. Absolument, je pense que son prise en charge générale qui doit gagner. Et l'actualité, c'est aussi l'insécurité, guerrier du seul. Et semaine dernière, nous avons annoncé un bagage là autour de couverture vivre ensemble. Côté que au fond sorte de mea culpa et ils ont annoncé que il y a des dispositions à prendre pour pas terroriser mon encore. Eh bien, vendredi à là, bien mon qui pas de quoi dans parole ça, il y a mon ça raison. Monsieur l'a débarqué sous dos et il fait ça au sous de fer. Et nous parlons à magistrat, nous avons une idée de qui sa bilan est. C'est peut-être un cas parmi un paquet d'autres cas qui était déjà produit dans le pays a, et qui montrait à quel niveau l'insécurité généralisée il a pris le large dans un paquet de zones, notamment dans Carrefour-Feuille, et dans la zone Croix-des-Bouquets, Tabac, Canaran, pour ne citer ça seulement. Maintenant, nous vivons une situation qui est particulièrement difficile sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous-même, comme journaliste, vous rappelez, soit ou vive, ou bientôt ou lit dans l'histoire, t'es une période qui était similaire, qui était pire, que ça n'avait jamais dit à là? D'accord. Je pense que, naturellement, presque 50 ans. Je pense que je suis un guerrier. Non, oui. J'ai pris naissance il y a 49 ans. J'ai pris naissance il y a 49 ans. Et bon, presque arrivé dans 50 ans. Quand même beaucoup. Yeah. Et mon cher, moi-même, il faut que je me dise, en 2021, dans le dernier moment, Jovenel Moïse, je fais partie de Haïtiens qui te croient que bagay la baka plus grave que j'en ai. Je saisis, 2022, 2023, 5 ou 10 fois plus grave, pratiquement à tous les points de vue, que ça ne te gagne
par exemple en juin 2021. Donc moi-même bon, moi sonne qui fait Wanamet, me fait en Babouk, me grandit Wanamet, grand Babouk c'est ou espagnol ou reprend qui pour permettre ou aller tout droit jusqu'à droite. C'est là me fait en Babouk, me grandit Wanamet, me dans lycée Wanamet. C'est le mat mis en 9e année fondamentale, me venir ici, ma lycée Toussaint, ma sciences humaines, ma faculté de droit. Donc moi grandi voilà. Naturellement tout ça qui vient dans frontière c'est à partir de coup d'état 91 là. Et c'est là sous gouvernement Joaquim Balaguer là, c'est la frontière là t'es pour ouvert et puis commerce ça t'es pour intensifier qui fait que Wanamet vini un pôle économique très important. Fort Liberté c'est métropole nord-est, mais Wanamet c'est capital nord-est sur le plan démographique, sur le plan économique, brassage, c'est côté grand pile l'argent qu'a brassé. OK. Moi-même c'est première fois que en 49 ans que me vive que pays a dans état ça parce que je dis à par exemple m'a venir là m'a saute Delma, moi obligé à réfléchir qui côté pour me passer. Parce que de plus en plus n'a limité. Et me saute donc correspondant qui dit que c'est quelques communes seulement dans l'ouest que monsieur vous comprend. Permettez-moi saluer mon Sodo parce que Sodo dans un sens c'est la caille moi, non seulement comme avocat qu'on a plaidé Sodo dans le tribunal de paix Sodo, mal plaidé en pile dans le tribunal de paix Limonade, pas Limonade, Mirbalet. Donc après Port-au-Prince, c'est juridiction que je plus travaille comme avocat. Et la juridiction de Mirbalet, ça veut dire qu'il y a Sodo là dans tout comme commune. Et j'ai intérêt tout, j'ai intérêt dans Sodo. Donc le temps de sacrifier, donc profiter, saluer tout le monde Sodo. Il faut que la société civile l'organise, parce que nous, l'État, pratiquement démissionnaire, nous pas qu'à dire. L'État n'a pas la hauteur de responsabilité que l'État doit gagner. Parce que John Locke dit, le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigeants. C'est la seule raison que les citoyens acceptent de vivre en communauté, construire une structure que n'est le gouvernement. Le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigeants. C'est ça John Locke dit. Ça veut dire, le gouvernement, c'est protéger les citoyens, assurer bien-être citoyens de façon large, etc. Donc, il faut qu'on nous organise parce que nous ne pouvons pas perdre ce dos. Depuis pratiquement 2 ans, nous avons un gouvernement qui est là, qui est dans la tête du docteur Ariel Henry, où parler de l'État qui est démissionnaire. Mais je vous dis, en plus, on a posé la question, est-ce que c'est volonté qui n'est pas gagné ou bien l'État juste pas capable, bon, l'en dit l'État, bien entendu, à travers mon jodi à là, qui a mené bac là. Est-ce que c'est volonté qui n'est pas gagné ou bien c'est incapacité? Vous posez une question qui est très complexe, que très souvent m'a posé tête point tout. Est-ce que c'est volonté? Naturellement, ça n'a vivre là, t'es déjà là, mais il est envenimé pendant les 2 dernières années. Le mal est envenimé pendant ces 2 dernières années. Même d'accord que nous t'es déjà dans une situation de dégringolade. Est-ce que vous pensez que il est capable de deux? Ça qui arrive que les deux? Ça qui arrive que les deux? Maintenant, je pense que le possible que les deux. OK? Il est possible que les deux. Les deux aspects. Mm-hmm. Les deux aspects, ça veut dire manque de volonté et incapacité. Parce que ça n'est pas là à tout. Finalement, il dépasse nous. Il dépasse nous. Finalement, ça n'est pas là. Il dépasse nous. OK? Il dépasse nous. Et, par exemple, on dit la justice élève une nation. Je regarde la situation justice là. Son bagage extrêmement grave. OK? Donc, je pense que, pour me répondre de façon explicite, je pense que les capables de. Est-ce que vous avez certaines volontés? Peut-être que quand vous avez tout petit, bien dit peut-être. Mais, autorité ou pas montrer société que vous travaillez dans l'intérêt. Yeah. La justice élève une nation, ou se dit ça, et on estime que pas bon ici, justice par nous, il n'y a pas de problème pour le résoudre. Avant de arriver sous ça, par rapport au problème de sécurité, nous avons posé là, il y a pile monde qui croit que jodi a, il y a une issue, nous gagnons, c'est permettre une force multinationale qui arrive dans le pays a, pour venir aider la police nationale la bataille contre les bandits. Mais depuis octobre 2022, à jodi a là, donc tout le monde a regardé dans la fenêtre, a regardé dans la porte, a regardé dans l'air, a regardé en bas pour voir côté force ça a sorti, mais jusqu'à présent force là pour qu'on vienne. Et docteur Ariel Henry, encore une fois dans la tribune Nations Unies, il lance un appel d'urgence par les Nations Unies pour autoriser le déploiement d'une force comme ça pour venir aider la police nationale combattre gang. Comment comprendre ça et qui position sur ça? Bon, mon cher, position de principe là comme citoyen.
Parce que quand même, c'est petite Dessalines. Pour faire le coup avec. Bois Jéchal? Non. Dessalines origine. Premier Dessalines. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Nous, toutes ces petites Dessalines. Ok. Donc, naturellement, son territoire qui légué au prix du sang. Et c'est mauvaise gestion, mauvaise administration qui mène à nous là. C'est mauvaise gestion, mauvaise administration qui mène à nous là. Maintenant, est-ce que nous avons une situation de non-retour qui fait qu'il nous faut nécessairement une assistance internationale? Moi-même, je crois que. Moi-même, je ne fais pas partie de Haïtien qui dit que c'est blanc qui mène à nous là. Moi, je crois que c'est nous-mêmes qui mène à nous là. OK? Je ne crois pas que c'est blanc qui mène à nous là, c'est nous-mêmes qui mène à nous là. Parce que, en fait, si vous avez une responsabilité publique et vous n'êtes pas à même d'assumer cette responsabilité, le mieux, c'est de se retirer. Aussi simple que ça. Donc maintenant, pour qui ça, chaque mal nous fait, chaque ça nous te doit faire que nous pas faire, et puis son blanc que nous baille responsabilité. Moi, je crois fondamentalement, c'est nous-mêmes, ces nègres femmes qui ont dirigé le pays. Moi-même, sous point de 86 à aujourd'hui, hormis question de liberté d'expression, qui a dit plus ou moins un petit progrès qui fait, mais à tous les niveaux, Haïti régressé. Chercher image bicentenaire en 1983. Chercher image bicentenaire. Ou après, c'est côté touriste qui a venu. Et l'homme dit 1983, nous sommes dictature du Valier. Donc, hormis question de liberté d'expression, d'accord, on dit progrès, à tous les points de vue, Haïti régressé. Justement, donc moi-même, est-ce que je suis pour. Bon, moi-même, comme Haïtien, je ne suis pas pour bail comme ça. Moi-même, pour une prise en charge de la question haïtienne par les Haïtiens eux-mêmes. Maintenant, est-ce qu'il nous faudra une assistance de l'international? Probablement, je pense que nous avons besoin de là, nous avons besoin. Même pas dans la logique de question d'occupation, etc., etc. Par exemple, s'ils veulent nous aider, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à renforcer la police. Qui ça empêche que la police, l'armée, bon, nous n'avons pas parlé de l'armée, ça qui est là, on va parler de l'armée. Qui ça qui empêche que la police pas un hélicoptère? Comment police un pays au début au 21e siècle qui a pas un hélicoptère? La police pas même un système de renseignement qui solide. Mais moi, donc, communication. Absolument. Donc pour fin passer là, yo pas gain plaque, police pas même carré les prochaine patrouille, il dit telle machine, telle marque qui venir là kembe, pas même capable. Donc ça veut dire pratiquement l'État affaibli police là tout. OK? Gagner la corruption, ou qu'on ait question bandit, policier qui dans toute bagarre. Bon, c'est directeur général policier qui habitué dit que la gagne policier qui dans gang, etc. Bref, donc je pense que nous sommes à un carrefour où l'aide internationale est fondamentale pour sortir du trou. Oui, l'aide internationale est fondamentale, monsieur. Même pas pour question occupation. Okay. Pas pour question occupation. Mais maintenant, est-ce que vous avez une volonté pour côté international pour nous aider? Pas oublier, pendant que nous parlons de la police qui est mieux équipée, nous réveillons. Les États-Unis, qui c'est un pays qui dit les amis, qui a supporté la police, nous, depuis la formation au côté d'un pays comme le Canada, lui a annoncé que il a paru pour mettre 100 millions de dollars américains guerriers et pour force multinationale là. Donc, il y a quelqu'un qui dit que est-ce que 100 millions de dollars américains ça, il a pas capable d'investir dans la police américaine, absolument. Permettre que au moins qu'on partie dans comme ça qui allait pour formation. Pour nous et des bails appropriés par rapport au contexte nous là, mais on l'autre partie d'après aller pour achat de matériel. Le gars qui dit est-ce que pas de canaliser support ça comme ça tout. Je pense ça tout, mais fondamentalement responsabilité c'est dans même monde nous mettez au pouvoir yo. Parce que en fait accéder au pouvoir en démocratie t'as dû yon opportunité de se mettre au service des plus faibles. Et non une occasion de s'enrichir aux dépens du trésor public. C'est ça le tadoyer en démocratie. Une opportunité de se mettre au service des plus faibles. Mais nous, pourquoi qu'on éducation tout qui construit citoyen vers cette façon de voir, vers cette mentalité. Ça veut dire pour le mettre en tête que l'accès au pouvoir, son opportunité que le gagne pour le mettre au service des plus faibles. Par contre, il y a que son occasion pour l'enrichir aux dépens du trésor public. Donc, je pense que nous avons un travail fondamental pour nous faire au niveau de l'éducation. Pour nous construire l'autre type de citoyen. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes de justice là, ou tu as même évoqué ça, la justice élève une nation. Donc, je dis à la Sinta a décidé de passer au peigne fin, question de justice là en Haïti, nous sommes capables de prendre toute émission là, tellement d'énumérés problèmes, mais peut-être récemment là, bandits assiégés par la justice là, la justice obligée de courir, il y a des gens.
yo annoncé qu'une série de secteurs, que ce soit politique, que ce soit secteur des affaires, qui n'a financé gang, dans pile monde qui dit c'est à le moment au moins pour la justice ta rebel, pour chercher connait qui rapport moun sa yo gagné avec et banditisme dans le pays, il y a question de détention préventive pour logia, autant de problèmes qui gagne dans justice ça nous va laisser quand même garder qui ça Peggy Jean lui-même gagne comme compréhension et comment justice ça lui-même l'a fonctionné pas ici. Peggy et par contre non, si vous t'es peut-être réfléchi sur ça, ça fait pratiquement plus d'un an depuis bandi assiégé local par la justice là, bon, comme avocat par la justice là son bagage qui très symbolique et qui voulait son paquet de bagaille pour justice pays a, mais bandi et pral yo mette moun yo dehors au senti ça pas fait l'état ni choni fouette auprès que ta ka prend décision pour aller reprendre espace là pour complémentaire certainement comme avocat d'abord. C'est l'expression la plus éloquente de la déchéance de l'État, de la déroute, de la défaite de l'État. Donc, moi-même, comme avocat, je fréquente les tribunaux régulièrement. Donc, palais de justice, c'est côté m'te qu'on allait il y a quelques années. Mais j'en dis là, c'est assiégé par les gangs. Et pas oublier qu'il y a plusieurs autres institutions publiques qui ont voisinage, qui ont obligé de faire même boutique. Donc, l'État à genoux. Alors, justice là, ou te dit la justice élève une nation, m'te dit peu avant, nous toujours parler de ça. On a parlé de corruption au sein de la justice. Moi-même, m'te non colloque que OCNH t'a organisé, maître Camille Oxius de l'OCNH t'a organisé, c'est ton causerie sur la détention illégale et provisoire. La détention illégale et arbitraire. En tout cas, nous plus parler de détention préventive prolongée. Naturellement, Pignos. Naturellement, non, détention préventive. Alors, faut que moi dis que la détention préventive est légale. Ce qui ne l'est pas, c'est la détention préventive prolongée. La détention préventive est légale parce que yon juge d'instruction, salut Ado, yon juge d'instruction qui attend un citoyen dans le cadre d'une instruction en dossier, li ka estimé qu'il y a suffisamment d'indices pour le kembe moun nan jusqu'à ce que ordonnance de clôture la sortie. Ils font contrainte par corps sous lit. Donc, moun sa, mais gon délai. Le délai d'instruction passé, nous commençons à parler de détention préventive prolongée. Mais détention préventive là en soi, l'illégal est reconnu par la loi haïtienne. Maintenant, en pile moun a plein détention préventive prolongée, moi-même, comme je fais pile temps dans le ministère de la justice, pour me battre une douzaine d'années, donc je toujours vivre côté que des ministres a lancé des programmes de lutte contre la détention. Le ministre fait rentrer. Oui, oui, oui. La bataille ça. Contre la détention. Oui. Malheureusement, on a dit que on doit gagner environ 70, 75, 80% de la population carcérale là qui est en attente de jugement. Donc des gens qui ne sont pas encore fixés sur leur sort. La détention préventive prolongée, c'est une violation de droit de l'homme. OK? C'est une violation de droit de l'homme. Maintenant, mais en fait, il y a des aspects fondamentaux que vous ne tenez pas compte de vous. Par exemple, depuis la création de CSPJ, le ministère de la Justice n'a pas gagné tout pouvoir là encore. Le ministère de la Justice cesse d'assurer l'administration de la justice à partir de la mise sur pied du CSPJ. Donc, je dis, c'est la magistrature debout. Le ministère de la Justice, j'ai allé greffer les parquets, mais toute la magistrature assise, les juges d'instruction, les juges de siège, les juges de paix, à une exception, parce que juge de paix a un chapeau de OPJ, donc les la peuvent comme OPJ, donc ils sont auxiliaires, ils travaillent pour le commissaire du gouvernement. Mais les la siègent comme juge, ils pas gagnent rien pour louer à parquet, ni à ministère de justice, donc c'est un magistrat assis qui relève sur le plan administratif et disciplinaire du CSPJ. Maintenant, en plus, le ministère de justice tout mal appréhendé dossier, parce qu'il a oublié que si vous avez lutté contre détention préventive prolongée, ça n'a pas affecté Cabon. Hein? Si pas un suivi au niveau de CSPJ, au niveau de la juridiction d'instruction ou de jugement, il avait bien suivi à terre. Donc, suivi n'a pas fait. Donc, maintenant, il y a plusieurs aspects qui contribuent à augmenter détention préventive prolongée. Premier aspect, la police parfois amusée dans des arrimages à arrêter moun à tout bout de champ. OK? Parfois. Sans raison valable. Ça, c'est un élément. OK? Mais si nous prenons. Si l'État décide, par exemple, il y a un texte de loi, la loi du 6 mai 1927.
si l'État, à travers le ministère de la Justice et le CSPJ, c'est les deux seuls, dont seuls oiseaux, qui c'est la justice, le MJSP et le CSPJ, si on mettait à profit la loi du 6 mai 1927, qui autorisait la comparution immédiate en matière correctionnelle, grand pile monde qui peut aller en prison, qui n'a pas besoin d'aller en prison, oui. Parce que ça permet que le jugement en fait tout de suite. Ça permet que le jugement en fait tout de suite pour les cas réputés délits. Pas pour les crimes, non. Parce qu'en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. OK? Donc, si pas gagné mise à profit de Texas, donc ou capable toujours, ou est que moun n'a pas gorgé prison. Yo. Sans compter, par exemple, moi-même comme avocat, m'gen wa gon client que juge la joli pral tande matin parce que c'est votre frère que y a tande l. Et puis la police dit que selon information gagne il pas qu'à prendre chance et ça arrivé dans le dossier déjà oui il pas qu'à prendre chance aller avec citoyen ça voilà. Prévenu ça détenu ça votre frère ça veut dire audition qui étant pas faite donc parfois le dossier a fait plus temps dans cabinet d'instruction c'est pas toujours juge là qui cause non. Il y a des auditions pour le faire, faut qu'il fait yo. Il se trouve que la police pas mené mon nom. C'est pas parce que la police pas avlé ou bien la police ou son seule machine li ta pour mener machine ça aller tel l'autre côté ou bien dit que zone ça aujourd'hui am pas mener c'est semaine prochaine m'a mener. Tout ça yo influé sous phénomène et détention préventive prolongée que l'État t'a doué naturellement travail pour combattre. C'est qui ça qui empêche l'État pour actif puisque yo ouais problème yo déjà yo garder qui ça qui t'a capable provoquer yo mais maintenant qu'on y a un problème identifié à moitié résolu qu'on y a pour qui ça il gagne on volonté manifeste pour pas gagner disposition appropriée qui prend pour empêcher que au moins même ça toujours répéter parce que plusieurs fois nous sommes dit ça là des ministres a prend poste et, au niveau du ministère de la justice et de la sécurité publique qui a annoncé des travail qui pourra le faire pour une bataille contre la détention préventive prolongée mais ouais c'est presque même rhétorique là ça veut dire pas un travail qui fait vrai absolument ça mande une volonté qui pas nécessairement là par exemple on nous prend des documents permettez-moi saluer sénateur Jean-Renel Senatus c'est un homme qui travaille sur avant projet de code pénal et de code de procédure pénale. Ou est document ça yo? Jou que l'État haïtien adopte document ça yo, n'a font pas fondamental dans la lutte contre détention préventive prolongée. Et je vais te dire pourquoi. L'avant-projet de code pénal et de code de procédure pénale, l'y prévoit la contraventionnalisation de certains délits et la correctionnalisation de certains crimes. Contraventionnalisation de certains délits, vous l'avez dit qui ça? Un dossier qui était dans stade délit, il y a un délit complexe qui exige instruction. Et mes dossiers, ça, il est capable de reléguer dans le niveau plus bas, il vient de la compétence du tribunal de paix. Donc, vous contraventionnalisez des délits. Donc, vous augmentez champ de compétence du tribunal de paix. Vous augmentez champ de compétence du tribunal de paix. Tout ça, éviter instruction, éviter lenteur dans le système. Non. Quand vous correctionnalisez certains crimes, eh bien, justement, ou pas besoin nécessairement aller dans le cabinet d'instruction. Parce que c'est exceptionnellement pour certains délits complexes que l'instruction est facultative en matière de délit, pour certains délits complexes que vous allez dans le cabinet d'instruction. Donc, si l'État adopte l'avant-projet de code pénal et de procédure pénale, ça va permettre que vous correctionnalisez certains crimes. Donc, vous pas crime encore, vous correctionnalisez certains crimes et vous contraventionnalisez certains délits. Et nouveau document ça auto yo prévoit ça nous relé les peines alternatives à la prison. Ça veut dire yon moun ki bon garantie de représentation. Si la justice a poursuivre Johnny c'est un professionnel, il gon adresse fixe, l'a exercé son profession, tout moun connaît, il de notoriété que tout moun connaît li. Donc yo pas obligé faire contrainte par corps pour li si gon garantie de représentation. Donc nouveau document ça prévoit des peines alternatives à la prison. OK? Donc, fondamentalement, c'est des documents que l'État doit organiser pour les adopter, parce que document ça, c'est eux pour aider pour que par un paquet de dossiers qui influent au niveau du cabinet d'instruction, et pourtant, la loi dit que le juge a gagné 2 mois pour le mener ordonnance, 1 mois pour le rédiger, 3 mois au total,
exceptionnellement le cas à fond, il commande une prorogation, etc. Mais généralement, c'est 3 mois. Et puis, il y a des dossiers qui ont 1 an. Moi, j'ai un client qui a 1 an, 2 ans dans le cabinet d'instruction. On a fini, Peggy Jean, avec vos dernières questions. Mais avant de poser vos dernières questions, Pamna, qui te permet de réagir vraiment dans une minute sur la question et auditeur, ça, sur auditeur avisé, qui dit quid de la mise en place du Conseil national d'assistance légale créé par la loi de septembre 2018? Oui. Mm-hmm. Alors, programme actuellement, il existait dans certaines juridictions. L'État doit exister au niveau des 18 juridictions de première instance. Qui s'allie? Il permet que. Parce que y a une raison qui fait qu'autant de monde, il vient là, il y a un seul qui a 2 ans de pénitentiaire. C'est avocat, il n'y a pas de capacité pour le payer avocat qui a 10 ans de pénitentiaire, qui a fait un constat avec un juge pour que n'y a pas de dossier, etc. Donc, assistance légale là, permet que yo assister gratuitement les justiciables de conditions modestes qui ne peuvent pas payer les services d'un avocat. Il existe tout partout. Canada, son côté malien, puis il existe Canada, assistance légale. Donc, alors, il existe tout partout. Donc, programme ça, c'est international l'acte financier, il est présent dans quelques juridictions, non niveau très faible, oui. L'État a dû implémenter au niveau national, naturellement à travers un budget approprié, pour que vous assistez les gens qui n'ont pas payé service avocat. Vraiment, pour finir, Peggy Jean, tout à l'heure, on parlait de lenteur de la justice, mais il y a des citoyens qui disent tout l'an, la justice là, c'est le. Et il y a pris l'autre gros dossier, ou il y a gros intérêt, ou il y a gros enjeu politique là-dedans, mais c'est pour moi, un citoyen là, c'est pour fond mon habit là, la justice a pris en brel, par exemple, il prend. Et qu'à côté des gens qui a tombé en bas section internationale là par ci par là des gens qui cité non comme gens qui a financé gang qui a déstabilisé pays là qui ont dit pour qui ça la justice pas activé ben qu'à nous entrée judiciaire mandé l'autre pays qui l'autre doit mettre des documents à la disposition yo. Peut-être tu as carré les citoyens ça par exemple dernière section en date là toi homme d'affaires parmi eux, on gros autobus dans la question banque là, ils ont dit qu'ils ont financé gang. Donc, je pense que c'est le moment pour la justice a dû arranger là, demander au Canada qui a gagné comme élément, relayer M. Brown pour lui dire ça qui passe. Et même bien avant. Mais avant, l'autre côté là, oui. Naturellement, il s'agit de sanctions administratives, pour ne pas dire politiques. Ce ne sont pas des sanctions judiciaires. Mais ça n'a pas empêché que y ait une justice qui fonctionnelle, y ait une justice juste. Qui voulait bailler justice à qui justice est due. Parce que c'est quoi la chose? La justice aurait dû être cette femme aux yeux bandés. Qui ça voulait dire, leur dit, la justice sont femmes aux yeux bandés? Ça veut dire, moun qui vient devant là, li pa konn si l'on belle cravate, donc cravate ou gagnant, li pa konn couleur, li pa konn statut économique ou, li pa konn confession religieuse ou, li pa konn couleur peau. Donc, la justice est une femme aux yeux bandés, donc, qui ne tient pas compte de celui ou de celle qui se présente par devant elle. La couleur de la peau de celui ou de celle qui se présente par devant elle. Est-ce qu'elle gagne des pointures ou bien gagne des pâtés? Est-ce qu'elle gagne 2 millions de dollars à la banque ou bien est-ce que c'est sachet de l'eau la vendre dans la rue? Donc, c'est ça. Eh bien, on est loin d'avoir cette justice. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous avons une justice injuste qui n'est pas au service de la société. Eh bien, c'est la société, c'est l'État qui doit organiser justement secteur justice là pour mettre au service des justiciables. Oui, on aurait pu demander des documents, pas dans le dernier cas, dans le dernier cas, tout, mais tous les cas précédents qu'on a eu, la justice a dû dire waouh, vu l'importance que nous avons dans la société, vu la fonction que nous occupons. Comprend moun nan secteur bancaire parce que ça ka tourné au catastrophe pa jam konnen. Oui, avant c'était avec vice-président sous Gbank là, pas vrai? Kounya là, kounya c'est président conseil et d'administration Unibank. Donc, oui, mais il y a des acteurs politiques, tous des anciens acteurs politiques etc. Il y a des informations qui fait quoi que tu as retraité, donc il pas dans tête conseil encore, on va comme ça. Même penser que Unibank t'a dû au moins communiquer sur ça. Oui, naturellement, les sanctions datent de 72 heures. Son minimum. Est-ce que là, oui, je pensais que ne serait-ce que pour
bail clientèle là en certaine assurance. Parce qu'on a arrêté comme ça là, tout le monde levé pour aller dire. Arrêtez là, je vous dis, bon, mettre box ça dans les finances gang moi-même. Yeah. Donc, il est fondamental que suivi ça au fait. Donc, c'est ça, monsieur, je pense que c'est nous tous qui devons travailler pour nous gagner justice ça, qui ont justice au service de la société, qui pas dit que les étipiers qui volent Régine Bonne n'en faut que nous aller, mais c'est les qui. On va. Qui gagne million et que tu as un jeu avec qui rapidité n'est pas agi dans le coup. Oui, bon. Oui, si le côté fait être, tu as arrêté. Naturellement. Moi, le côté parlé. Bon, naturellement, officiellement, c'est avocat Esaü César. Même qu'on accompagne le côté de CPJ. Mais il n'a commis aucune infraction. Il n'a commis aucune infraction. Naturellement, compte tenu de. M'étant des analyses que tu fais à tout. Compte tenu de l'injustice que gang yo fait société, ya. Alors, je pense que Louko te voulait alerter société sous nécessité pour encadrer la jeunesse là, pour que ce n'est pas gang yo à 15 000 gouttes qu'elle recrute. Mais la communication, je pense qu'elle était mal passée. Il a été très mal compris. Je pense que il a été très mal compris. Mais en fait, compte tenu de l'injustice que gang yo fait, quand c'était famille violée, quand c'était moun yo kidnappé, appauvri, etc. Donc, je pense qu'il faut que l'État prenne responsabilité. Merci à Pil, Peggy Jean. On a rappelé aussi monsieur. Journaliste, aussi avocat dans le Port-au-Prince. Nous sommes contents de parler ça à court. Nous avons plusieurs points d'actualité, notamment question construction canal sous rivière Massacre. Nous avons gardé le discours Ariel Henry dans les Nations Unies. Nous avons gardé tout question insécurité, notamment cette demande officielle du gouvernement pour une force multinationale que Ariel lui-même réitéré sous tribune des Nations Unies. Nous gardé le problème de justice là confronté principalement. Donc nous sommes contents de s'échanger là. Nous mobiliser pays là pour venir accueillir PM là, là puis rentrer la matière là. Et actuellement là, c'est ça qui a fait là, c'est presque toute zone là nous est bloquée par rapport avec Banara, tout le monde qui sort dans ce ghetto pour venir là pour venir accueillir PM là. En plus le monde qui a critiqué PM là, le dit PM là, le même arrivé dit PM là t'as dormi. Pour mes amis, là on a réfléchi pour prendre décision. Parfois, on va aller vos fesses pour faire mes yeux. PM n'a pas de abdomen. C'est pas dormi, il a dormi, ses yeux qui étaient fermés, nous passons pour réfléchir, pour voir qui pire bon discours qui était pour le bail. C'est une raison qui fait. L'autre état de l'équipe PM l'abdomen, c'est le président qui t'a parlé. Ça n'est pas t'intéressé. C'est l'autre monde oui, qui t'a parlé. Ça n'est pas t'intéressé. PM l'a obligé. Il était pensant pour t'obliger à fermer les yeux, pour réfléchir, pour voir qui pire bon discours qui était pour le bail. Effectivement, nous voyons aujourd'hui à la PM l'a pas un discours qui est pas vers la population. Pour canal la continuer fouiller et faut nous oublier c'est pas une prise nous même le gouvernement va le prendre pour la prise ça ouais ça veut dire va renforcer tout comité qui est obligé à travailler il va créer des autres prises encore fait trois prises ça veut dire c'est pour nous oublier. Jean PM l'a bien travaillé là. Jean PM l'a bien bon discours là. Jean PM l'a renforcé la diplomatie là. Ou garde ouais, c'est tout pays qui a offert opportunité pour Haïtien voyager. Ouais, là même Canada a un programme qui commence à bailler.
où est États-Unis déjà par le programme Biden déjà, où est au niveau des relations diplomatiques, PM là fait presque 160. Haïti t'a perdu un bon pays ami, nous ne pouvons dire c'est renforcé la proposition. Et bien ça n'a pas dit avec tout le monde, pour un PM là, pour un PM là pour mettre sécurité dans le pays, pour élection organisée. Et bien, le peuple a tellement vu pour un PM là, nous parlons faire 2024 encore. Nous allons faire 2024 encore. L'année 2024, c'est une année électorale. Une année électorale pour l'année suivante, pour la prochaine année, pour nous capables de mettre le pays par un président qui soutient dans l'élection qui va l'organiser pendant toute l'année 2024. Ce n'est pas PM qui va voter la nation. Nous-mêmes, nous disons que PM n'a pas de monde. Je ne veux pas dire que nous sortons des vidéos. Regardez les gens, nous regardons qui va les gens qui viennent accueillir PM. Nous voyons comment il est comme si nous avons tout. Bon, malgré nous pas obligés comme si mobiliser quelques autres côté, nous gardons nous revenir. Exécutez, arrêtez toujours. Nous connaissons, eh bien, c'est ça, mais nous attendons pour la force étrangère la rentrée là. Donc, force étrangère qui a rentré là, qui a pu mettre sécurité dans le pays là. Eh bien, nous avons dit, tête de chaud, l'autre Claude Joseph, pour diable. Claude Joseph, l'aile tendée, bon discours à PM là-bas. Tête chaud, tête chaud même, ensemble avec Magali Komodeni, ensemble avec tête syndic. Nous les jours là, nous très confortables nous-mêmes, nous très confortables, communauté internationale ensemble avec nous. Nous là, PM non là, c'est toute petite li qui vient accueillir et nous pouvons son bon pas, son bon palier et nous allons être contents dans ce sens ça. Et comme nous bien, je prends un peu de matériel qui est dans les travaux publics qui est allé dans les affaires canal là. Eh bien, je vais le creuser, je vais le prendre deux prises avant pour le gouvernement. Qui est-ce qui va le prendre? Eh bien, gouvernement. Sécurité, mon amour partout. Comment est ça? L'idée pour chaque que nous avons reçu le dossier, on a maintenant l'idée pour nous résoudre parce que l'insécurité a été mise derrière lui, c'est meilleur pour commencer à t'aimer pour trouver une solution à l'insécurité. Qui message vous avez pour notre famille ou pas là? Une petite famille, grand pile femme qui fait un politique, une petite famille rentrer dans la bataille pour mettre des politiques parce que nous plus de pays, nous avons vu de là, tout le monde qui l'a fait, femme engagée, ça veut dire des femmes qui peuvent. Nous-mêmes, nous frappons, nous braver dans le chien de la police. Parler, c'est parce que moi je prononce, tout à fait, c'est de maintenant, parce que là.
là nous garder pays d'Haïti. Je veux dire, il va nous condamner à ça. Ou même c'est nous-mêmes avec des sous-nous. Pas oublier, c'est nous-mêmes qui devons occuper ce domaine. Je veux dire, ou président ce domaine n'a pas né, qui a vu l'homme d'Haïti, c'est pas vrai. N'a pas combien de gouttes. Nous ne pouvons pas dire, président Ariel, parce que ça, Ariel, n'a pas nommé la vie de ça. La vie de vous parce que je veux dire, l'organe des pays, c'est nous-mêmes qui devons occuper ce domaine. Parce que les nous devons prouver, c'est nous-mêmes qui devons appeler ce domaine. Il ne va pas dominer nous. Il ne va pas dominer nous. Mais nous disons, peu pas ici qui se domaine, mettez grâce au voyage sur nous. Peu pas mettre là, moi à mettre là. Et des graines dans le monde à nous, nous-mêmes sommes engagés, nous sommes des diables derrière eux. Et si vous nous entrez, c'est le même plan, vous même, la première vous même, parce que nous te connaissons derrière, c'est le même. Abonné à Chanel Grande Puissance là, ou ap dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou ap ouais petit triangle noir ça qui marqué. S'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribirse en espagnol. Cliquez sous lit. Tout de suite, cliquez sous petite cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà en bataille ou pral fournir ou.